Rebonjour à tous et voici le refrain de One You Two au piano. Alors là aussi on a quatre accords faciles et puis on va jouer de façon un petit peu plus facile que sur les couplets. On va pas rajouter de notes, on va juste faire travailler les doigts avec les accords. Au niveau des accords, on va avoir un Do, un La mineur, de la main gauche, car de la main droite je reste en Do. Puis on a Fa. Rester en Do aussi. Et je reviens sur Do. Alors comment je joue ça? Je prends mon accord de Do, Do Mi Sol, de la main droite. Je suis au milieu du piano, là j'évite cette octave un peu trop aiguë pour le refrain. Je vais plutôt jouer là, comme dans Imagine. Je fais petit doigt sur Do, de la main gauche dans les graves, puis mon pouce sur le Sol, hein, comme si je faisais Do Mi Sol. Sauf que je joue que petit doigt, première note de l'accord, et dernière note, Do Sol. Donc, Do Sol. Et je fais sonner deux fois l'accord. 1, 2, 3, 4. Si c'est facile, je rajoute, après avoir fait. C'est-à-dire que je rejoue le pouce de la main gauche, le pouce de la main droite, et l'accord. C'est une séquence qu'on a déjà travaillée en cours, de faire 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2. Et je peux même rajouter un petit coup de pouce de la main droite pour la dernière note. Ça ferait Do, Sol, accord, accord, pouce, pouce, accord, pouce. Ton, 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 ton. Ce sera le même principe pour chaque accord. Rythmiquement, c'est super à bosser. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2. Je remonte une dernière fois. Petit doigt, pouce, Do, Sol. Accord, accord. Pouce main gauche, pouce main droite. Accord, pouce main droite. Ce qui donne 1, 2. C'est le chat qui va jouer à ma place, j'ai l'impression. Non, 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 non. Ensuite, eh bien, je reste en Do de la main droite, puis je passe en La, Mi de la main gauche. Comme s'il y a un accord de La mineur avec La, Mi. Mais je reste en accord de Do de la main droite, parce que c'est joli. Et ça fait 1, 2, le même principe. J'ai juste changé les basses. Je vous fais les deux. Do, Sol. Après je vais en Fa et je garde mon accord de Do. Fa, Do. Donc Fa, Do de la main gauche et toujours l'accord de Do. Pouce, pouce, accord, pouce. Et je reviens en Do pour finir car ça commence par un Do et ça finit par un Do. Je vous refais les quatre doucement. Sol, accord, accord, pouce, pouce, accord, pouce, La, Mi. Fa, Do. Et Do. Et ça repart Do, attention, bien rester en Do. Alors, il vaut mieux travailler la séquence toute seule au départ avec un accord de Do pour le rythme, c'est le plus important. Et après enchaîner vos basses. Do, Sol.
sol, accord, accord, pouce main gauche, pouce main droite, accord, pouce main droite. Vous pouvez compter, vous donner un petit décompte pour le faire. 1, 2, 3, 4, et après vous changez. La, mi, fa, do. Chaque refrain, c'est 4 fois cette séquence des 4 accords. Un petit peu plus vite pour aller avec eux, vous pouvez faire une pause pour sur la vidéo, bien sûr, pour vous entraîner à faible vitesse. Déjà, moi j'ai un temps limité d'enregistrement, donc je vais un petit peu vite, mais vous, n'hésitez pas à ralentir. Ça repart avec le La mineur. Hein. Repart, couplet, la partie qu'on a fait avant. On avait le Ré. Alors là, je suis super dans les graves. Mon piano, il s'est un petit peu décalé. Je faisais là tout à l'heure. Hein. Mais je vais régler mon piano parce que, voilà, il s'est décalé d'une octave. C'est certainement le chat qui m'a touché un petit bouton. Donc moi j'étais bien grave là, mais c'est parce que mon clavier s'est décalé tout seul. Hein. Enfin tout seul. Presque tout seul. Ça c'était le couplet. Avec mon Ré qui faisait... Puis le Fa. Puis le Sol. Ça une deuxième fois, Ré, Ré avec la, Ré de Ré, puis je fais le Fa, je suis repassé sur l'accord de la mineur, et Sol, avec un vrai accord de Sol, Si, Do, Si, Do, Si, Sol, et quand je vais passer au refrain, du coup, je passe directement en Do, d'accord? Pas dans les graves, mais dans les aigus. D'accord ? Donc si je fais cet enchaînement-là, après,